Et un joli film au programme de ce dimanche, Kev Adams. Bonjour ben Bonjour, très heureux d'être avec vous un dimanche matin. C'est un exploit pour moi. C'est vrai Sachez-le. Pourtant, vous êtes un habitué de l'émission. J'adore venir à Télématin. J'adore regarder l'émission aussi, je la trouve vraiment formidable et plutôt la semaine. quand même Le week-end, c'est dur. C'est vrai, mais on est là du lundi au dimanche. Félicitations 7 un jours un sur ça. 7 et toute l'année. Merci d'être là en tout cas. Et pour... moi, je sors de boîte de nuit. C'est vrai, non, non euh, c'est pas vrai. Vous êtes en pleine forme pour quelqu'un <laughs> qui va, sort de va. boîte de nuit. Euh, Kev, un premier One Man Show à l'âge de 18 ans, 4 autres depuis. Euh, une filmographie qui devient conséquente désormais, comme acteur, comme producteur aussi. Et donc, ce film, comme par magie, euh, ce film que vous venez nous présenter dans les salles mercredi prochain, le 15 novembre, c'est le 7 film. De Christophe Baratier, dans lequel votre personnage, Victor, magicien, se retrouve euh, du jour au lendemain seul pour élever sa fille Lison. Euh, enfin, seul, pas tout à fait. Parce que Gérard Junior n'est jamais loin. Regardez, bande annonce. Comment je vais faire pour m'occuper de Lison si on travaille tous les soirs euh bah, Tu feras comme tous les parents seuls qui bossent. ce tu demandes à Jacques, je suis sûr qu'il sera ravi de t'aider. Les grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants. C'est courant. Je crois que je préfère encore la nounou. Si je garde ton grossier que je fasse des snaps avec lui. Le bébé, c'est l'avenir. On peut lui mettre une litière. Oh J'aimerais savoir-faire avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe Ça couche encore débordé. Attention Jacques, là c'est quoi ça Arrête ouais, s'en ouais, est mmh. C'est pas facile, Kev, de jouer un rôle de, de papa pour la première fois au cinéma. Exactement, et pour la première fois tout court, puisque je ne le suis pas encore dans, dans la vie. Donc, euh, ouais, c'était incroyable quand euh, Christophe m'a proposé ce rôle de, de jeune papa, euh, un peu dépassé par les événements. Ça m'a tout de suite plu, ça m'a tout de suite touché. C'est une histoire très touchante, évidemment, qui démarre, euh, on ne va pas trop en dévoiler, mais ça démarre sur un, un véritable drame. Et puis petit à petit, le drame s'éclaircit avec le rire et ce euh, duo que je forme avec, euh, avec euh, Gérard junior Donc, c'était euh, franchement... Euh, un bonheur justement de découvrir la vie de jeunes parents, puisque Juste. moi je ne connais, connais pas cette vie du tout. D'ailleurs, ça la vous vie. donne des idées bah, euh, oui, forcément, ça donne envie. J'espère qu'un jour je serai papa dans, dans, ma, dans ma vie tout court. Mais, mais là, pour le coup, de, de découvrir ça au cinéma, c'était fou. Et puis je trouve que le film est un véritable hommage aux parents, évidemment à la monoparentalité, puisque c'est un papa qui va élever sa fille euh, tout seul, enfin presque tout seul, puisqu'évidemment il sera avec son beau-père. Mais euh, le film est un hommage à ses parents qui font de leur mieux, euh, qui se retrouvent dans des situations tellement drôles, parfois tellement cocasses, tellement folles. Et puis, évidemment, c'est un, un mélange de beaucoup d'humour et de beaucoup d'émotion Bon, voilà un bon entraînement pour euh, l'avenir, en tout cas. Exactement. Euh, D'autant que Christophe Baratier disait que vous n'étiez pas hyper à l'aise avec les enfants. Mais bah, ça, ça vous a servi dans votre rôle. Exactement, ouais. Moi, le premier, les premiers jours de tournage, je disais à Christophe, je sais pas trop comment, parce qu'on a tourné évidemment avec euh, des vrais bébés, hein, qui avaient quelques mois, donc des, des, des tout petits acteurs, euh, dont galère, les parents étaient là. C'est une immense galère puisque euh, il faut savoir qu'un bébé n'a pas conscience peut-être sur un tournage donc forcément ben on fait comme on peut et comme le bébé veut dès qu'il se met à pleurer bon bah ben, couper et puis on attend que ça se calme et tout ça moi j'avais jamais vécu ça. Et puis, euh, moi, j'avoue que quand les, les parents sont sur le plateau et qu'ils donnent leur enfant qui a seulement quelques mois dans les bras, il bah, y a un vrai stress. Quoi. Ouais. <laughs> et euh, quand j'ai pris l'enfant, j'ai dit à Christophe, je suis hyper mal à l'aise, je ne sais pas comment le tenir, je sais pas. Et il m'a répondu, bah, c'est précisément pour ça que tu es la, la bonne personne pour euh, ce rôle. C'est que les jeunes parents aussi, quand ils découvrent leur enfant, ils ne savent pas comment le tenir, ils ont peur de lui faire mal, ils ont peur de mal le poser, de mal le tenir. Et donc, c'est hyper intéressant et tout ça est vachement bien traité dans le film. Ce rôle, vous avez dû aller le chercher. Hein. C'était pas évident au début. Ouais, ouais, ouais. Bah, J'estime que dans la vie, il faut pas attendre qu'on. Qu on vient de vous chercher quand on a envie de faire des choses, c'est bien de les provoquer. Je suis de cette école, en tout cas. Euh, J'ai trop été... Euh frustré par l'attente. Les comédiens sont souvent frustrés par l'attente. Ils attendent à côté du téléphone. Vous, vous pourriez rester assis dans le canapé et attendre que le téléphone sonne. Oui, mais je trouve qu'il n'y a jamais vraiment ce qu'on souhaite qui arrive quand il y a ça. Donc euh, euh, j'ai demandé un rendez-vous avec Christophe Baratier, parce que j'étais absolument fan de son cinéma. Évidemment, les choristes m'ont bouleversé, comme c'est comme, comme, euh, un film qui va bouleverser comme, comme tout le monde. Euh, Faubourg 36, euh, La guerre des boutons, euh, Le temps des secrets l'année dernière, je trouve qu'il fait toujours des films très beaux, très poétiques, avec une, une, toujours une sublime musique. Donc j'ai demandé à la rencontrer, je lui ai dit que j'adorais ses films et que j'adorais un jour bosser avec lui. Et je ne pensais pas que ça allait arriver si vite, finalement il m'a dit, écoute, je prépare un film avec Gérard Jugnot, c'est mes retrouvailles avec Gérard Jugnot depuis, il a fait ses trois premiers films avec Gérard, puis 300, et là il retrouve Gérard. Et donc évidemment tout de suite je lui dis mais c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Il me dit, malheureusement, on pense à quelqu'un d'autre, le film est déjà casté, mais on se retrouvera sur un prochain projet. Je lui ai dit, écoute, pas de souci, c'était un plaisir de se rencontrer. Puis quelques semaines plus tard il me dit, écoute, finalement avec le tracteur ça va pas le faire, est-ce que t'es chaud pour lire et je suis tombé tout de suite en amour avec cette histoire qui est un, un vrai film comme je les aime, c'est-à-dire un vrai mélange d'humour et d'émotion. Et ça vous donne l'opportunité de jouer avec Gérard Jugnot, ce qui n'est pas rien quand on aime la comédie, l'humour. Et évidemment, et pas seulement la comédie et l'humour, aussi l'émotion. Je veux dire, Gérard, c'est quelqu'un qui nous a fait pleurer de rire dans Les Bronzés où Le Père Noël est une ordure, mais c'est aussi quelqu'un qui nous a fait pleurer tout court dans Monsieur Batignol ou Dans Meilleur espoir. Moi, c'est quelqu'un. Voilà Que, que, que j'admire depuis très longtemps, évidemment, comme beaucoup de Français, et que je trouve fantastique dans ce genre de film, dans cette typologie de film, il est brillantissime. C'est-à-dire, il sait vous faire pleurer de rire et pleurer tout court. Vous avez eu de la chance concernant les partenaires qui ont été les vôtres au cinéma. C'est vrai. Avec euh, Franck Dubosc, Gérard Depardieu, par exemple, Daniel Prévost, j'en oublie peut-être euh, d'autres. Bah, Jamel Debbouze, bien aussi, sûr. Aussi, euh, aussi. Euh, Jean-Paul Rouve, Michel Blanc. Euh, non, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance, évidemment, Vincent Elbaz, avec qui j'ai partagé euh, l'affiche. Euh, euh, Quelques fois, et puis effectivement, le, le, dans Maison de Retraite, j'ai eu la chance, euh, à part Daniel Prévost, d'être entouré de, de véritables légendes. Mylène de Mongeau, qui malheureusement nous a quittés depuis. Euh euh, voilà, euh, Firmin Richard. Euh, et là, dans Maison de Retraite 2, qui sera le film d'après, j'ai eu la chance d'avoir encore. Euh, Jean Reno Jean Reno, bien sûr. Incroyable <coughs> Jean Reno qui. Euh, et alors, ça fait quoi de tourner avec Jean Reno le nouveau euh, parrain de cette nouvelle maison de retraite, puisque c'était euh, Gérard Depardieu dans le, dans le 1, et là, c'est Jean Reno dans le 2. Bah, c'était complètement fou. Il a une voix. Euh, dès qu'il se met à vous parler, vous vous, vous vous revoyez, je sais pas combien de films, vous entendez les musiques de films, c'est fou. Et puis plein d'autres, Michel Jonas, Henri Comassias, Amanda Lir, Chantal Latsou, qui seront aussi dans Maison de Retraite 2. Mais j'espère que. On repassera une matinée ensemble pour vous parler de celui-là.